aujourd'hui pour une vidéo qui sera une vidéo AliExpress. J'ai passé quelques petites commandes et j'en attends encore, mais je vous referai des vidéos très bientôt. Donc je voulais vous parler, et vous me l'avez beaucoup demandé, des fringues que j'ai achetées sur AliExpress. Et j'ai quelques petits bijoux, donc on va commencer par les bijoux et on finira par les fringues. Donc la première chose que j'ai commandée, alors j'ai pas les prix en tête ni quoi que ce soit, mais bien sûr je vous mets les prix là quelque part. Et je vous mets également tous les liens en barre d'infos si c'est encore disponible, bien entendu. Donc j'ai commencé par commander un petit bracelet double tour dans les tons beige. C'est les petits bracelets qu'on voit partout en ce moment, on va dire. Vous savez, c'est les bracelets comme ça qui sont en espèce de suédine avec deux petites attaches en pression, voilà. Donc franchement, celui-ci, j'ai rien à dire, il est très joli, il est comme ça. Donc vous avez trois liens, le premier c'est des strass un peu rose gold, le deuxième c'est des petits clous comme ça argentés, et là vous avez des petits strass argentés. Il est nickel, il n'a pas de soucis, et il me semble de mémoire que je l'ai payé moins d'un euro ou un euro et quelques, donc voilà, très très bien. La seule chose, c'est qu'il sentait très très fort le plastique quand je l'ai reçu, parce qu'il est emballé dans un plastique. Je l'ai sorti, il est resté à l'air et aucun souci, j'en suis très contente. Et moi j'adore ce genre de petits bracelets, que ce soit en été comme en hiver. Donc voilà, cette couleur là je l'avais pas, donc j'en ai pris un. Ensuite, rien à voir avec les bijoux, mais je tenais à vous montrer ça. J'ai commandé ceci. Alors qu'est-ce que c'est que cette petite chose? C'est un ciseau, et comme vous pouvez le voir au bout, vous avez un espèce de petit peigne qui est amovible. Voilà. Et en fait, ça, c'est super si, comme moi, vous avez un homme qui a les sourcils qui poussent très vite et qui sont très longs, et qui, par moments, ça fait un peu chouette. Moi, j'appelle ça hein, des aigrettes de chouette. Et bien, franchement, ce petit truc, il est génial, parce que vous allez mettre tout simplement comme ça au niveau du sourcil, et vous allez peigner et brosser et couper en même temps. Et franchement, ce truc, il est génial. C'était une révélation. J'ai payé pas très cher. Je l'ai commandé en me disant, de toute façon, ça va être nul. Et au final, il est très très bien, et j'en suis hyper contente. Donc si, comme moi, vous avez des hommes qui ont les sourcils un petit peu longs, essayez ça et vous verrez, vous en serez contente. Ensuite, j'ai commandé une bague qui est très très jolie. Pareil, je l'ai payé 3 francs 6 sous. C'est pas, attendez, je vais retirer la mienne. C'est celle-ci. Donc elle est très jolie. Je sais que Mélanie de la chaîne Happy Together 17 m'avait demandé une fois, mais ta bague, c'est un panda? Non, non, regarde Mélanie, ce n'est pas un panda. Elle est très jolie par contre. C'est vrai que comme ça, on pourrait croire que c'est un petit panda. J'avais jamais fait gaffe, ouais. Comme ça, on pourrait croire que c'est un petit panda. Mais non, non, ce n'est pas un panda. Elle est vraiment très jolie. Franchement, la qualité est top. J'ai déjà porté plusieurs fois. Elle n'a pas bougé d'un pouce. Il n'y a pas de poinçon particulier. Donc, je pense pas que ce soit de l'argent. Malgré que sur, je crois que dans la description, c'était marqué argent. Bon, en attendant, elle est vraiment très jolie. Les strass sont vraiment très bien faits. Ça n'a rien à envier à Swarovski. Et elle est vraiment très belle. Voilà. Je vous la conseille également, cette petite bague. Ensuite, je me suis commandé un petit bracelet que j'ai trouvé trop chou, que j'ai payé pareil 3 francs 6 sous. Voilà. Donc il est comme ceci, c'est petit bracelet pour l'été. Vous avez un petit ananas et de l'autre côté vous avez un petit strass. Donc il existe en doré aussi celui-ci, je pense que je me le commanderai également. Voilà, il est vraiment très joli. Au début je me suis dit la qualité est pas top top, mais au final j'ai déjà porté une ou deux fois, ça bouge pas. Il est passé à l'eau d'ailleurs, parce que je me suis lavé les mains et j'ai pas fait gaffe. Il a pas bougé du tout, il est très joli, il est fin, mais c'est comme les petits bracelets dans ce style là donc ouais, franchement il est très joli, j'aime beaucoup. Voilà voilà. Ensuite je me suis commandé un espèce de petit pins. Ça me rappelle mon enfance, les pins hein, forcément, parce que je trouve que c'est sympa sur le revers d'une veste en jean, et celui-ci, il était présenté justement sur le revers d'une veste en jean, et j'ai trouvé ça trop joli. Alors, c'est un petit pins qui est comme ceci, donc c'est une petite, un petit moulin avant, en argent comme ça, il est très beau, il existe également en doré, mais franchement, celui-ci, j'ai trouvé trop chou, et franchement, il est bien fini, il n'y a pas à dire, moi j'aime bien, je trouve ça assez sympa. Et vous voyez sur le petit revers d'une veste en jean, le petit col d'une veste en jean, je trouve que ça peut être sympa. Voilà, c'est original, ça change. Pourquoi pas même sur la poche et tout, enfin, voilà. J'ai trouvé sympa et ça valait moins d'un euro ce petit truc, donc voilà. Ensuite, j'ai commandé des boucles d'oreilles. Toujours sur AliExpress, qui sont comme ceci. Vous savez, c'est les boucles d'oreilles qui vous mettez le petit strass sur le devant, et à l'arrière vous mettez ce petit truc là. Elles sont très jolies également, rien à dire. Elles n'ont pas bougé du tout, très très bien, franchement j'en suis hyper contente. Les strass sont jolies aussi, ouais, parfait. Et une dernière chose au niveau bijoux que j'ai commandé sur AliExpress, c'est ce collier.
D'ailleurs, des colliers, j'en attends quelques-uns quand même, faut l'avouer. Donc, c'est ce collier que je trouve magnifique. Franchement, il est trop beau. Il est très bien parce qu'il a une chaînette d'ajustement. Donc, vous pouvez le porter même sur un col roulé, ça fait très joli. Donc, voilà, il est comme ça. Il pendouille avec plein de petits trucs. Ouais, attendez, je vais essayer de... Hop! Vous voyez, ça donne ça une fois porté sur une tenue. Et franchement, c'est très joli. Je l'ai porté avec une petite jupe tube. Ça et un petit gilet noir. Enfin, tout en noir avec ça. Mon mari m'a dit, mais tu vas en soirée? Non, chérie, je vais juste ici. Donc voilà, franchement, je le trouve trop joli. Il est vraiment trop beau. Et de mémoire, il était dans les 5 euros, celui-là. Voilà, donc voilà pour les bijoux. Ensuite, on va passer aux vêtements. Alors, il y a 4 choses dont je suis hyper contente et une chose que je n'aime pas du tout. On va parler tout de suite de la chose que je n'aime pas du tout. Donc, j'ai pensé à prendre mon cintre. Donc, la chose que j'aime pas du tout, c'est ceci. Alors, je vais me reculer. Hop, voilà. Donc, c'est un pull. Un pull effet sweat, hein, parce que c'est plus de la maille t-shirt qu'autre chose. Donc, il se présente comme ceci. Vous avez au niveau de l'épaule et jusqu'au coude, une ligne de paillettes comme ça, transparente, argentée, qui est très jolie. C'est très joli, hein. Franchement, comme ça, il est très beau, il est très sympa. Quand je l'ai reçu, j'ai fait « Waouh, il est sympa comme tout ». Il est un poil plus long derrière que devant. Le seul hic, c'est que de mémoire, je l'ai pris, j'ai suivi le guide détail, bien entendu, comme à chaque fois que je commande des fringues sur AliExpress. Mais celui-là, il est très mal taillé en fait. Il a une coupe qui est pas flatteuse du tout, il est très mal taillé, il est pas joli. Autant sur le site il faisait super loose, autant sur moi il est très ajusté. Pourtant j'ai pris la bonne dimension, donc voilà, je suis un peu déçue de ce pull. Ouais, franchement je vous recommande pas. Je vous le mets en barre d'infos en attendant, mais celui-ci je vous le recommande pas. Ensuite, alors j'avais commandé aussi un maillot à dentelle, vous l'avez vu dans plusieurs de mes vidéos récemment, c'est un maillot noir avec de la dentelle au niveau du col, mais malheureusement il est au sale, donc je ne pourrais pas vous le présenter aujourd'hui, je vais vous mettre une photo là. Donc c'était la photo du site, et je vous mets tout de suite un court morceau de ma vidéo portée. C'est en collaboration avec Pantone. Donc Pantone, si vous connaissez pas, voilà, vous avez vu, c'est très court. C'était juste pour vous rappeler un petit peu le maillot. Vous m'avez beaucoup dit qu'il était magnifique. Franchement, moi je l'adore. Je l'ai payé quasi, enfin moins de 7 euros je crois, un truc comme ça. Il est très très beau. Je vous remettrai ici la taille à laquelle je l'ai prise, le prix que je l'ai eu et le lien en barre d'infos bien entendu. Il existe en plusieurs couleurs et franchement, ce maillot, il est top. J'adore le côté très loose des manches qui est très très sympa. Il est franchement magnifique et je vous le conseille largement parce que génial. Par contre, toujours excessivement bien regarder le guide des tailles. Ne vous fiez pas à la taille que vous prenez habituellement. Ne vous dites pas, c'est comme beaucoup de nanas qui sont filiformes. Ne vous dites pas, je vais prendre juste une taille ou deux tailles au-dessus et ça ira. Regardez le guide des tailles, c'est hyper bien fait. Vous vous mesurez, une fois que vous avez vos mesures, vous les savez, vous les mettez sur un papier, ce que vous voulez. Vous les gardez avec vous et dès que vous voulez acheter un habit sur AliExpress, bah vous regardez le guide détail. Par moment, il y a du 6XL, j'ai déjà vu du 6XL qui, au niveau du buste, je fais du 120 en mesure. Et j'ai déjà vu du 6XL qui mesurait 94. Donc vous voyez, faites très attention, ne vous fiez pas aussi aux tailles XL, etc. Prenez vos mesures et prenez la taille qui correspond à vos mesures. On s'en fout si on prend du 6 ou du 5XL, on s'en tape même si c'est pas notre taille habituelle. Le principal, c'est que la fringue aille au final. Donc ensuite, je me suis commandé ce petit maillot. Alors là, je sais pas si vous allez bien voir, c'est un petit maillot vraiment très pour... Enfin, beaucoup pour l'été, hein. C'est un petit débardeur spaghetti, tout ce qu'il y a de plus... Tout ce qu'il y a de plus léger et tout pour l'été avec un petit short en jean, c'est trop cool. Mais celui-ci, il est très sympa parce qu'il a au niveau de la bretelle, vous savez, il a de la dentelle. Et là, sur tout le devant, voilà, là vous allez bien voir. Vous voyez, sur tout le devant, il a de la dentelle jusqu'au nombril. Et il reste un petit peu de truc sans dentelle. Mais franchement, je l'ai trouvé trop beau. Il existe en blanc également. Donc voilà, ça pour l'été avec un petit short en jean, c'est juste parfait. Et celui-ci, je l'ai commandé en... 5XL, donc vous voyez, et c'est la marque Zanzéa, et franchement, les trois quarts des fringues que j'ai, c'est de la marque Zanzéa, et je les trouve vraiment géniales, voilà, donc 5XL, pour un 50-52, ça va nickel, voilà, si ça vous intéresse de savoir. Ensuite, un deuxième maillot que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos, et que vous avez beaucoup aimé également, c'est celui-ci. Alors, c'est un maillot noir,
un peu effet sweat comme ça. Il est vraiment très joli. C'est un peu un. Je pensais que ce serait plus épais quand je l'ai reçu, mais en fait, c'est comme du t-shirt, hein, je préfère vous le dire. Et au niveau des épaules, il est ouvert en fait, vous voyez. On voit l'épaule à ce niveau-là. Je vais vous mettre ma main dedans pour que vous voyez mieux. Hop, vous voyez? On voit l'épaule à ce niveau-là, donc c'est très joli. La dentelle au niveau de l'épaule, elle est super jolie également. Blanc avec. Enfin, blanc sur du noir, c'est très beau. Elle existait en gris également, je crois, celui-ci. Donc celui-ci, moi, je l'ai pris en 5XL également. Il n'y a pas de marque particulière pour celui-là. Mais il est vraiment très, très joli. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, par contre, celui-ci, le 5XL, il est très fité pour un 50-52, je préfère vous le dire. Mais en attendant, il me va très bien. C'est un truc un peu plus près du corps que ce que j'ai l'habitude de mettre. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Et je vous le conseille aussi parce que la matière est très jolie. Enfin, la matière est bien, la qualité est top. Il n'y a pas de fil qui dépasse, c'est super bien fini. Ouais, franchement, au top, au top, au top, au top. Et la chose qui a fait que j'ai commandé des fringues sur AliExpress, parce que ça fait très longtemps que je lorgnais les fringues sur AliExpress, et à un moment je me suis dit, je suis tombée sur un truc, et là je me suis dit, bon allez, ce truc il me plaît trop. Il me plaît trop, il faut que je teste, il n'y a pas moyen. Donc j'ai commandé ça, plus les autres fringues que je vous ai montrées. Et franchement, 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 j'en suis hyper contente, ravie, au top. Je suis. Voilà, je vais vous montrer. Alors, la fringue pour laquelle j'ai commandé des habits sur AliExpress, c'est ceci. Alors là, vous allez me dire, ouais, bon. C'est une chemise en jean avec des cœurs. Voilà, ben, ça n'a rien d'extraordinaire. T'es gentille, c'est une chemise en jean, elle a rien d'extraordinaire, les manches sont tout ce qu'il y a de plus basique, qui sont, voilà, ou pas, voilà, comme ça au bout, des petits boutons blancs, mais, le truc en plus, je suis hors du cadre, le truc en plus de cette chemise, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'arrière, vous avez une ouverture à boutons et le dos est ouvert. Alors ça, je peux vous assurer qu'avec un petit débardeur en dessous ou même rien, c'est juste trop classe. Cette chemise, elle est trop belle portée. J'essaierai de vous faire une tenue du jour avec. Je sais, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je devais vous en faire. Et puis voilà, j'ai jamais le temps et je prends pas le temps non plus, faut dire. Donc voilà, franchement, cette chemise en jean, elle est trop belle. Elle me va trop bien. J'ai pris la taille 3XL. C'est toujours de la marque Zanzéa Collection. Et franchement, franchement, elle est au top. Je l'adore, elle est trop belle. Avec un petit pantalon noir, un petit débardeur noir en dessous, avec ça qui ouvre sur les fesses, qui vous met votre popotin en valeur. C'est juste une tuerie et voilà, j'en suis trop trop fan, je l'adore. Voilà, j'en ai fini avec ma vidéo AliExpress. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez testé des produits que vous voulez que je teste sur AliExpress. Bah, dites-moi un peu, on parlera de tout ça ensemble. En attendant, bah, moi je vous retrouverai dans quelques temps pour une autre vidéo AliExpress parce qu'en ce moment je craque beaucoup sur AliExpress. Voilà, je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Si vous avez des questions au sujet des fringues, n'hésitez surtout pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Bisous bisous, à très très bientôt et surtout prenez soin de vous et portez-vous bien.